Salut à tous, nouvelle sortie de détection. Donc là on va faire de la forêt. Donc vous voyez, c'est assez dégagé, il y a du soleil. Et c'est une forêt que j'ai jamais faite encore. C'est une petite parcelle de forêt que j'ai jamais faite. Donc j'espère faire de belles trouvailles. Trouvailles insolites surtout. Donc on va voir ce qu'on peut trouver dans cette forêt. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire dans cette vidéo? Bah Jim57, pour le défi citron, je suis désolé. J'avais pas vu la vidéo de AMD. Donc j'espère que tu aimes bien le citron. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? N'oublie pas de le mettre au frais, le citron. Comme ça, il arrache moins la bouche. Voilà. Donc écoutez, donc cette forêt, je ne l'ai jamais faite. Je le redis une deuxième fois. Ce petit coin de forêt, je ne l'ai jamais faite. Donc je vais bien quadriller le coin. Et puis, on verra ce qu'on peut sortir d'intéressant et d'insolite. Hein. Voilà. Allez, je vous dis à la première trouvaille. Hein. Allez, tchuss. Allez, premier trou, première cible pour moi qui se trouve là. Un indice à 14,21. 14,21, ouais, 12 cm. Elle est là. Et on va voir ce qu'on a là. Allez, hop là. Encore dans la terre. Voilà. Voilà, vous avez vu? Ça en a 14, à 12, ça dépend. Voilà. Hop là. Voilà. Une lebelle. Une douille lebelle. Ok. Allez, je continue à la prochaine trouvaille. Tchuss. Voilà, une nouvelle trouvaille pour moi. Le bouton était juste là-bas, hein, je crois, dans ces eaux-là. Ouais. Et donc là, ici, j'ai une nouvelle cible. Oups là, désolé. Hop. Et un indice à 12-15, 7 cm. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette terre? Terre promise. Hop. Oh, déjà le son, il a déjà changé. La tonalité n'est plus la même. Alors. Ouais, c'est pas encore sorti, ça doit être là. Hop là. Je pense que ça doit être dans cette motte. C'est plus profond que prévu ou quoi? Mais 7 cm, donc ça doit être une grosse daube. Souvent s'il met 7 cm et que qu'en fin de compte c'est un bon son. Ok. Donc c'est sorti de terre. Nous allons voir ça ensemble. Ce que nous réserve cette petite cible. Hop là. Alors, on rapproche le détecteur. Hop, 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 hop. Ouais, je sais, ça peut vous paraître trop long. Hein. Mais bon. Ah, je pensais que c'était une monnaie. Voilà, c'est là-dedans. Ah bah. Encore un bouton. Hop. Voilà. Ah non, même pas, non, non. C'est pas un bouton, non, non, c'est un cul de cartouche. Ouais. Un cul de cartouche, ok. D'accord. Un cul de cartouche, je sais pas, j'ai un doute. Si, si c'est ça, c'est un cul de cartouche. Hein. Ok. Bon, allez. Je rallume ma prochaine trouvaille. Tchuss. Voilà. Nouvelle cible aux abords d'un chemin. Hein.
branches. Petit feuillu là. Un lundi, ça, 12, 11, toujours 7 cm. Et on va voir. Hop là. Ce que ça nous réserve. Ouais, c'était sur le côté là. Allez. Ils sont encore dans la terre. Hein. Alors, il met 7 cm, il n'y a pas 7 cm hein, là. Qu'est-ce que je fais? Je sais plus. Ah ben, allez. C'est bon ou pas? C'est encore là. Incroyable. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir là? Non. Bizarre ça, c'est étrange. C'est étrange. Alors c'est sur le flanc, c'est quoi ça? Bizarre ça. C'est étrange. Ouais. Oh. Est-ce que ça serait ça? J'ai tapé, non. Sous la racine. Ah, elles sont encore là. Hein. Hein? Incroyable. Oh, ça risque d'être long. Hein. Désolé. Hein. Ah ok, on l'a eu, ouais c'est ça, hop, désolé, voilà, ça bouge, ouais, c'est ça, là. Ouais c'est ça, ouais, ok, petite cartouche, sous les racines, voilà, tout ça pour ça, voilà, tchuss, allez, une nouvelle cible. Bon, j'ai pas filmé le live parce que ça prend des fois trop de temps. Voilà, un trou à quoi 10 cm hein, de profondeur. Une cible ici et je pense de toute façon à une cartouche parce que l'indice est similaire aux autres. Et vu que j'arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure, donc forcément, voilà, hop là, là-dedans. Alors. Hop, là, c'est encore là-dedans, c'est là-dedans, non, c'est là, ah bah d'accord, ok, non, c'est pas un cul de cartouche, hop, regardez, donc, je crois que c'est une 20 centimes, ah hein. Oh, non, même pas, ah c'est une 20 francs coque. 1950. Celle-ci, elle va ressortir. Mais alors, nickel. Super. Ah, il y a juste de la terre, mais franchement, voilà. Elle va ressortir nickel, celle-là. Déjà, comme elle est sortie de ce côté-là. Ok, j'ai hésité à faire le live, mais en fin de compte, j'aurais mieux fait de le faire. Donc, des fois, hein, voilà. Bon, ben, c'est cool. Nickel. Ça motive un peu, hein, que de faire que de la cartouche depuis tout à l'heure. Hein. Voilà. Et donc la 20 francs Guiraud sur le Mina Belson à
1 à 10 à voilà, 12,27. Vous voyez, 12,24 c'est les cartouches. Et 12,27, bah voilà. Tout simplement. Hein. Les 20 francs Guiraud. C'est cool. 20 francs coque. 20 francs Guiraud, ouais. Pareil. Allez, bah, c'est cool, ça motive. Allez, donc je continue et je rallume ma prochaine travail. Allez, tchuss. Allez, une nouvelle cible. De nouveau après 10 secondes après le bouton en ton bac. Hein. Alors, j'ai oublié de préciser, le bouton en ton bac a sonné à 12h09. Donc vous voyez, c'est étrange quand même que le bouton en ton bac peut sonner à 12h09. Alors que l'or, je suis pas loin. Hein. L'or, ça peut être à 12,8, 12,7, 12,10. Voilà. L'aluminium, c'est 12,4 en général, 12,5, ça dépend. Voilà, bon. Tu vas arrêter de discuter. Donc là, le bouton ton bac. Ici, nouvelle cible. On va regarder ça parce que c'est juste à côté. Hop là. Alors, j'ai pas fait le live. Hein. Mais désolé. Alors. Oh, c'est quoi là? Ah, c'est là. Ok. Alors. Et encore dans la main. Ouais, c'est ça, ok. C'est une cartouche. Une cartouche, non, une douille. Voilà. Une douille. Douille. Allez, bon, bah, je rallume ma prochaine trouille. Bon, en tout cas, il y a les moustiques qui sont là. Les moustiques, il y en a plein hein, dans cette forêt. Hein. C'est hallucinant. C'est normal, il n'y a plus hier. Hein. Donc voilà. En tout cas, j'ai mis ma lotion, donc... Ils m'attaquent pas, donc j'ai pas trop de soucis. Ils restent juste autour de moi, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Allez, à la prochaine trouvaille. Tchuss. Ah bah désolé, fin de compte ça n'a même pas coupé. Encore en train de filmer pendant que je détecte, ok, bon, c'est cool. Donc voilà, une nouvelle cible ici. Le bouton en ton bac était juste, ouais, je ne sais même plus où là, ouais, je crois vers là-bas. Ouais. Voilà. Et donc là, nous allons voir ce que nous allons voir. Ok, je pensais que j'avais atteint la caméra, mais non. Vous pouvez voir que des fois ça met pas longtemps. Hop là, alors on va mettre le deuxième gant. Suspense. Alors, hop, alors qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que c'est dans cette mode? Ah, je crois que c'est ça. Ok, reste de ceinture de laiton. Ceinture de bleu. Ok, c'est pour ça que ça sonne à 43.
12,43. En général, le laiton, de bon, le laiton, pas les balles, hein. Je parle des ceintures, les éclats d'obus, ils sonnent à 41, 43, ça dépend. Voilà. Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ma vidéo. Voilà. Après, je pense pas que quelqu'un peut me contredire. En tout cas, sur le Minlab, c'est comme ça. En général, ça sonne à 41, 43, ça dépend. Mais l'argent aussi, hein. La Louis 15 que j'avais fait, 1726, elle sonnait aussi pareil à 45. Hein. Donc voilà, c'est assez proche. Hein. Mais c'est la conductivité, hein, tout simplement. Ce n'est qu'une histoire de conductivité. Voilà. Allez. Je rebouche mon trou. Hop. Voilà. Je revérifie une dernière fois s'il n'y a pas quelque chose. Il n'y a plus rien. Voilà. Je rebouche le trou. Hop là. Et c'est bon. Et je continue. Et je vous donne une prochaine trouvaille. Allez, tu es ça. Bon, là, en fin de compte, j'aurais mieux fait de laisser la caméra allumée. Juste là-bas, la cartouche. Et là, 5 mètres à côté. Un indice à 12-17 à 6 cm. Voilà. 12-18. Un indice à 12-18. 12-17, 12-18. Voilà. À 6 cm. Ouais, bon, c'est pas très profond, hein. C'est pas très profond. Voilà, c'est sorti. C'est là. Hop là. Donc, vous voyez, en fin de compte, c'est quasiment. Ça dure pas longtemps, hein, les cibles là en ce moment. C'est pas très. Pas très bon. Sans rallumer la caméra. Alors, hop. C'est là-dedans. Hop. Ah, c'est ça, c'est encore une cartouche. Ouais. Oui. C'est le même type de cartouche que j'ai fait avant. Hein. Juste là, hein. Voilà. La même chose. Allez. Prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, désolé. Nouvelle cible pour moi. Donc là, la napo était juste là. J'ai oublié de préciser, la napo, elle sonne à 12,31. Donc en général, ça peut être une chance sur 10, mais quand ça sonne à 12,31, ça peut être une napo. Et là, j'ai une nouvelle cible juste à côté. Un indice à 13,28 à 12 cm. Donc là, désolé. Il y a une moustique qui m'attaque derrière le mollet là. Je pense que j'ai pas mis assez de produit. Voilà. Donc c'est ça, ouais. 14,29 maintenant. Non, 12,28, hein, c'est ça, ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir là, 12,28? Hein, parce que tout à l'heure, 12,27, c'était la 20 francs Giro. Hein? Hop là. Non, c'est même pas les moustiques en fin de compte, c'est les orties qui piquent derrière. Les orties, c'est pas les moustiques, donc le produit il est quand même efficace. Je l'ai bien mis, enfin, pas efficace, je l'ai bien mis, je l'ai bien appliqué sur la peau. Bon, c'est encore là, à venir, hop, ouais, donc là c'est pareil, hein. Général, hein, ce qu'on le mine là, ben, la napo 12,31, c'est encore là. Pas encore sorti. Ça serait cool, encore une petite monnaie. Hein, petite 2 centimes, napo. Ok, c'est sorti. C'est là. Toujours un indice à 12,28. Hein. Stable. Donc c'est cool. En tout cas, ça fait plaisir. Cette petite matinée détection, parce que je vais pas détecter cet après-midi. Ça c'est sûr, j'ai encore du travail à la maison à faire. Allez. Vu que j'ai reçu des nouveaux, j'ai racheté des nouveaux PC d'occasion pour remonter mon ancien PC portable.
Voilà. Donc cet après-midi, ben, ça va être montage, démontage, ordinateur portable, changement de pièces et tout ça. Donc il y a du boulot, hein. Il y a au moins 3-4 heures de travail. Et après, prochainement, ben, ça sera une nouvelle tour. Une nouvelle tour, parce que là, l'ordinateur, c'est provisoire. Mais pour faire tourner le nouveau logiciel que j'aurai besoin pour faire le montage vidéo, je serai obligé d'avoir une grosse carte graphique. Donc voilà, donc j'aurai pas le choix. Allez, donc, sur ce petit discours vite fait bref de cette petite situation qui m'a aussi perturbé, hein, comme aussi avec son ordinateur. Voilà, donc allez, on va voir ce qu'on a là. Hop, hop là, allez, on voit. Hop, 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 hop. Ah, super, regardez. Hop, voyez, excellent. Donc, c'est du napo encore, mais par contre, à 12,28. Ah, je suis étonné. Il me semble que c'est du napo. Donc là, il y avait la napo là, et là encore. La petite boursée. Alors, moi, ouais, je pense que c'est encore du napo, ça. Ouais, 5 centimes napo, à mon avis. Je n'ai même pas besoin de frotter, hein. Vous voyez, à mon avis, c'est une 5 centimes napo, mais par contre, à 12,28. Je vais repasser devant la tête. Hein. Vous voyez, hop. Ouais, 12,28. L'autre s'en tenait à 12,31. Ça dépend. C'est bizarre. C'est peut-être pas une napo, hein, finalement, mais si. Mais si, ça m'a l'air d'être une napo. Hein. On voit les traits, hein, sur le bord. Cool. Bon, bah, je vais continuer dans le secteur, là. Allez, je reviens à une prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, napo 1, napo 2, et ici j'ai encore un son. 11,30, ça peut être 12,30, ça dépend. C'est l'indice ferreux, le 11, le 12, voilà. Mais là, un 11,30, ça pourrait être une troisième monnaie, ça pourrait être bon ça. Ça pourrait être pas mal. La petite boursée de la matinée. Ça serait cool, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait des petites boursées comme ça. Petites boursées de monnaie. Hein, ah, regardez. Ah bah regardez. Vous voyez? Vous la voyez comme moi. Hein, cool. Et je crois que là c'est du 10 centimes. Ah, si je ne me trompe pas. C'est du 10 centimes. Cool. Ah, j'ai bien fait de sortir ce matin, regardez. Hop. Hop là. Ah, 5 centimes encore. Ok, encore une 5 centimes. Ouais, c'est du napo. Hein. Ça c'est sûr. Ah, je vais pas la frotter, je vais la laisser dans son jus, ça c'est sûr. Ah, ça c'est clair, je la laisse dans son jus. Je la laisse dans son jus. Et ce que je vais faire, je vais laisser la caméra allumée. Voilà, comme ça on va continuer. Vous voyez, ah, c'est cool, hein. Voilà, on est pas mal là. Elle est pas belle cette petite boîte là. Ça fait plaisir. C'est cool, nickel. Nous avons encore des surprises cette petite forêt. Allez, je vais continuer, je vais mettre la boîte, hop, dans mon petit fourre-tout. Voilà, voilà. Ah, désolé, hein, cette vidéo sera peut-être un peu longue. Hein, vu que je fais des lives, hein. Vu que je fais des lives. Voilà. Ah, j'ai encore un son là, vous voyez, 14,39, mais c'est 12,30 en général, vous voyez, 13,39, j'ai encore un son là, 12,39, ouais, ça peut être une monnaie ça encore, cool, excellent, bah, y en a un qui a fait tomber ses monnaies là, hein, apparemment, hein. Allez. On continue, ouais, j'ai bien fait de laisser allumer. Hein, c'est cool. Allez, c'est parti. Encore le live. C'est déjà sorti. C'est là. What is the coin? Hop là. Tes gants.
Elle est longue cette vidéo, hein, vous voyez. Mais elle vaut le coup, hein. C'est cool, hein. Pour ceux qui connaissent la Napo, bon, je pense que pas grand intérêt, mais pour ceux qui débutent la détection, c'est intéressant de voir ça. Voir faire des lives et de sortir des boursiers comme ça, de monnaie, ça fait rêver. Ça fait rêver. Et moi, ça me fait plaisir surtout. Que ça vous fait plaisir en même temps. Hein, c'est ce qui permet de voir grandir notre loisir. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a là? De toute façon, à mon avis, c'est une monnaie. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. Hop. Ah, c'est là, c'est dans la main. Ah, voilà, regardez. Hop. Et cette fois-ci, c'est une 10 centimes. Ah ouais, excellent. 10 centimes Napo, regardez. Cool. Donc celle-ci sonne à... Celle-ci nous sonne à, voyez, 11,39. Parce qu'elle est un peu plus grosse au niveau conductivité, ce qui est logique. Elle a une taille un peu plus grosse, donc forcément, elle va sonner beaucoup plus gros en termes de conductivité par rapport à la 5 centimes. Un peu plus haut, à 4 points, voilà. 4 points de conductivité de plus que la 5 centimes Napo. Ça, c'est sûr, c'est une 10 centimes, j'ai même pas besoin de la frotter. Hein. On verra ça au nettoyage, mais ça, c'est sûr, c'est une 10 centimes. Ah, vu qu'il y a des 5 centimes. Voilà, bah écoutez... C'est excellent, festival là. Ah, je suis trop content là. Purée. Ah, j'ai hésité à faire telle ou telle forêt ce matin. Je savais pas quoi faire comme forêt. Je me suis dit, hop, je vais faire cette forêt parce que je ne l'ai jamais faite. Et puis ça faisait longtemps que je voulais la faire. Je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas. Hop là, regardez. On va mettre le petit bouton ici. Avec la guiro, de toute façon la guiro je vais pas l'abîmer. Et voilà, regardez, c'est magnifique ça, hein. Hop, on va refermer la boîte. On va mettre ça. On fourre tout, voilà. Et après je continue, hein. Ça marche. J'espère qu'il y a encore quelques trucs intéressants. Alors, hop là. Donc, apparemment, il n'y a plus rien. Vous voyez. Je vais quand même effectuer juste une ronde autour, au cas où. Ah, là, ici. Alors là par contre c'est bizarre ce son. Je sais pas, ça sonne à 30. Quelque chose de rouillé il me semble. Apparemment. Voilà. Rien d'intéressant. Encore quadri autour. Voilà. Voilà. Oh, c'est cool apparemment. Hein. Ouais, je vais continuer, je vais juste tourner autour. Hein. Vous voyez. Voilà. Vous voyez, hein, c'est là où j'ai fait la deuxième douille. Hein. Voilà, puis l'autre douille qui était juste là. C'est peut-être les chasseurs, hein, tout simplement. Hein. Il était là, il était posté là, et puis voilà. Hein. Ça coïncide. Tous en boîte. Regardez, un indice à 12,31, il y a encore une monnaie ici. Vous voyez? À 8 cm ici. Vous voyez, je fais bien de faire le tour encore. En fin de compte, des fois, on oublie. Regardez. Hop. Oh, purée. Mais ça, c'est la classe. La classe à Dallas, comme disent couple des Us. Hein. C'est la classe à Dallas là. Alors là, ça c'est sûr. Pas dire que ça soit pas la classe à Dallas. Ah franchement. Nickel. Ah là là, que du bonheur. Que du bonheur. C'est dommage que je ne puisse faire un bon montage vidéo.
malheureusement. Comme j'attends mon nouveau système d'exploitation, comme mon PC n'est pas encore monté, avec Vegas, j'aurais bien fait un bon montage vidéo, mais là, malheureusement, j'utilise l'ordinateur de ma fille, hein, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent. Hein. J'utilise l'ordinateur à ma fille. Et donc, elle ne veut pas que j'installe de logiciel. Ah, voilà, c'est là-dedans. Voilà, regardez, encore une 5 centimes. Hop, elle veut pas que j'installe de logiciel sur son PC, si ce n'est le iMovie. Je voulais installer Adobe Premiere, mais elle veut pas ça. Sarah a décidé de dire non. Elle veut pas, mais c'est pas grave. Hein. J'obéis. J'obéis à ce qu'elle désire, à ses souhaits. Voilà, nickel. Oh, c'est encore dans la peau. Hein. Ouais, ouais, à mon avis, c'est dans la peau. Là, c'est dans la peau. Purée. Voilà. C'est cool, c'est cool. Et ben, cette petite boursée, si on n'a pas d'autres encore, si on n'a pas encore d'autres monnaies, je vais la dédicacer à David Regard. Voilà. La dernière fois, j'en parlais avec Houssine et Alan 21 de ses vidéos. Il fait des super vidéos. J'adore ses vidéos. C'est une personne qui est posée, calme. Ah, c'est pas magnifique ça. Hein? C'est pas excellent ça. Donc oui, donc c'est une personne qui est posée, qui explique bien, qui prend son temps, qui a l'air passionné dans ce qu'il fait. Il est un peu comme moi en fin de compte. Moi aussi, je suis passionné. Après, des fois, ben, fait pas de trouvailles, donc après on est un peu déçu. Mais voilà, mais quand on fait des trouvailles, on est passionné par ce qu'on sort de terre, ce que ça peut être et tout ça. Voilà comme objet. Donc David Regard, si tu vois cette vidéo, si quelqu'un voit cette vidéo, qui lui laisse un petit com sur mon petit message, ben je te dédicace tout simplement toute cette boursée. Voilà, David Regard. Parce que j'apprécie tes vidéos. Voilà. Donc on va continuer. Hein? Est-ce qu'il y a encore de la napo là? Ah non. Pas mal ça. Ben. Ah ah. C'est bizarre parce que quelque chose me dit que c'était peut-être un portefeuille. Vous voyez, je vais creuser là parce qu'il y a quelque chose d'indésirable là, mais j'ai envie de creuser. Vu qu'il y avait les monnaies là, c'était peut-être un portefeuille hein. Et que c'est rouillé, vous voyez, une pièce rouillée tout simplement. Voilà, donc on va voir. Hein. Donc, encore une fois, je le dis, hein. Désolé, mais cette vidéo va être longue, mais c'est un live intéressant. Ouais, c'est là encore. Hop. Ah, c'était peut-être les portefeuilles, hein, qui sait. Le portefeuille, le porte-monnaie. Hop. Hop. Ah, alors. Ah bah là, je creuse du trou là. Apparemment, je sais pas. Hop. Étrange, hein? Ah, vous avez entendu? Non, peut-être pas. Hein. Mais en tout cas, moi, je l'ai senti sur la pelle. Ah, il y a quelque chose ici, là. Oh, oui. Ouais, vous voyez, vous entendez? Il y a quelque chose ici. Ouais, il y a quelque chose là. Attendez. Il y a quelque chose ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Alors, une boîte avec des pièces? Ça serait pas mal, ça, vous imaginez? Une petite boîte en acier bien rouillée. Hein? Avec un petit trésor à l'intérieur. Hein? Cool. Hop là. Nickel.
Ouais, vous voyez, c'est là. Hop, là, il y a quelque chose ici. Voilà. Vous voyez? Hop. Juste là. On a une petite tranche, là. On va voir ce que c'est exactement. On va essayer de la déterrer. Hein. Hop. On va écarter un peu plus le trou. Hop. Voilà. Hop là. Voilà, c'est là, ouais. Ah oui, c'est ça. J'ai une pièce là. Hop, vous voyez. Alors, je sais pas ce que c'est. On aura un reste de fer à cheval. Ouais, c'est ça, ça doit être ça à mon avis. Un reste de fer à cheval. Vous voyez, hop. Qui sait, peut-être qu'à l'époque ici il n'y avait que du champ et pas de forêt, ou alors si tout simplement les chevaux de trait, mais ça m'étonnerait, ça peut pas être comme ça. Vous voyez, je vais regarder encore s'il y a quelque chose d'autre. Hein, on va mettre ça dans la boîte, on va passer le détecteur et on va voir ce que j'ai encore là-dessous. Ouais, c'est ça, c'était le fer à cheval. Allez, je rebouche mon trou. Mmh. Hop. Alors, et il est 10h07. Ouais, ça fait 1h30 que je suis là. 1h30. Ouais. 10h07. Non, attendez, 9h07, 10h07. Ouais, c'est ça. Ça va faire 2h que je suis là. Donc écoutez, ouais, apparemment c'est nettoyé, voilà, c'est cool, voilà. Donc écoute, voilà, écoutez, ben, David regarde, hein. Donc cette boursée, elle est pour toi mon ami, voilà. Allez, donc ce que je vais faire, je rallume dès que j'ai une prochaine trouvaille, voilà. Allez, tchuss. Voilà, fer à cheval était juste avant, hein. Je suppose, hein. Et là j'ai encore hop là, désolé, une nouvelle cible, hop là, encore ici, vous voyez. Un indice encore à 20-33. Ça peut être le reste du fer à cheval, hein. C'est possible. Mais si ça serait le gros fer à cheval, ça serait peut-être plus gros, plus haut que 20, hein. Il serait à 20, 26 à peu près. À 26, hop, ouais, donc ben cette vidéo elle risque d'être longue, messieurs dames, hein. Ouais, c'est pas top ça, ce son il est pas top là. Alors, la sortie? Non. C'est là, hein. En tout cas. Non, c'est sûr, c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie. Oh. Oh, mais maintenant si, maintenant le son il est meilleur. Hop, vous voyez. Alors le son était pourri avant, et maintenant on remonte dans la conductivité, vous voyez. Je suis à 16,32. Avant j'étais à 20. Mais j'ai un son qui est pas mal là. Ah bah ouais, ok. Ah oh, purée. Allez, j'ai hésité à creuser. Je pense que la monnaie c'est sur la tranche. Regardez comme c'est beau ça. Désolé d'interrompre cette petite monnaie qui est là, regardez. Vous voyez là-bas, sur l'arbre. Un pivert, vous voyez. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Super jauni, regardez, il y en a même deux. C'est beau ça, hein. C'est beau.
Voilà, magnifique. Regardez. Elles sont là. Voilà, regardez. C'est pas magnifique ça. Regardez. Les deux. Nickel. Super. Magnifique journée. Franchement, magnifique journée. Allez, on continue. Regardez. Hop. Encore une 5 centimes la peau. Et j'arrête pas. Incroyable. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, top là, c'est du fake. En fin de compte, je vais mettre un pouce en bas. À mon avis, t'as posé les monnaies là. Et t'es revenu 2 ans plus tard. Eh non, mes amis, non, je suis pas revenu 2 ans plus tard. Ça, c'est sûr. Regardez. C'est pas beau, ça? Hein? Ça fait rêver, hein, quand même, hein? Bah pour certains, je dis bien pour certains, parce qu'il y en a d'autres qui font, encore 10 fois plus, hein, ça c'est clair. Bonnet en or, la Royale remboursée, pareil. Voilà, mais moi je suis content, là, franchement, hein, c'est top. La nature en plus, les oiseaux, super. Bon, est-ce que je continue ou pas? Incroyable, j'ai hésité à creuser sur ce son. Son pourrave. Mais j'ai quand même creusé quand même. Je chantais quand même qu'il y avait... malgré dans ce son muet, indésirable, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose de plus ou moins médium. C'est pour ça que je creuse souvent. Puis je creuse quasiment sur tout. Hein. Sans vous mentir. Hein. Vous voyez, pour ceux qui connaissent les Mimlabs, vous voyez que mon tableau il est ouvert. Hein. Il y a juste un petit trait ici. Donc souvent le. Faut savoir que sur le Minlab, souvent les objets, l'inox sonne vers le bas là ici. Les gros objets en inox. Oui, parce que ça c'est la ligne de conductivité et ça c'est la ligne de ferreux. Et donc l'inox il sonne vers ici, hein, vers en bas. Là c'est pareil. Hein. Vous ne pouvez pas me dire le contraire, hein, ceux qui ont déjà sorti des couteaux en inox et tout ça. Donc vous savez que ça sonne vers ici à peu près dans ce secteur-là. Voilà. Et puis là, vous voyez, ça monte pas plus haut. Voilà. Allez, donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on balaye de nouveau, parce que c'est incroyable. J'en reviens pas. Incroyable. Ah, bah, je pense que c'est bon, là. On va... Parce que là, la vidéo, elle va faire... Ouais, je pense qu'il y a au moins 30 minutes de vidéo, là. Si c'est pas plus, hein? Ouais, franchement, ouais. Ah, encore un son, là? Non. Alors j'ai encore un son muet, mais par contre là c'est un 32, vous voyez, mais celui-là par contre il est vraiment muet. Il est vraiment muet ce son. Hein. Ouais. Il n'y a rien là. Il y a encore un son là. Vous voyez? Il y a encore quelque chose ici. Mais comme il y a les branches, donc je ne vais pas trop les... Encore quelque chose hein, là. Il y a un son aigu quand je passe là. Il y a un indice à 22 comme tout à l'heure. Et je vais creuser. Et je vais me retrouver encore avec une monnaie. Donc on va recommencer. Regardez. On va recommencer. Hein. On va dire ouais putain, top là, qu'est-ce que t'as fait? T'as remis encore une monnaie là ou quoi là? Mais non, regardez, elles sont toutes dans la boîte. Ouais, encore il y a quelque chose là. Encore quelque chose ici. Putain, c'est fou ça. Putain, j'en reviens pas. Oh. Quelle journée de malade. Ah. Alors, j'ai pas sorti. Non, c'est encore, à mon avis. Ouais, c'est là. J'ai du mal à l'entendre. Un son bizarre. Hop là. Oh là, regardez. Vous voyez? Je viens juste encore de la sortir. Eh mais je deviens fou là. Alors là. Purée. Franchement incroyable, regardez. Voilà. Eh mais c'est incroyable. Incroyable. Franchement. Pouf. Le top. Franchement. C'est vraiment le top du top aujourd'hui. Purée.
trop bien là. J'aurais carrément envie de rester, vous voyez, messieurs, dames. Regardez. Voilà. C'est magnifique tout ça. Dans un seul secteur. C'est de la chance. Voilà, je suis passé par là et puis voilà. Hein. C'est un peu de la chance. Hein. Hein. Le hasard et la chance. Et surtout le hasard. Parce qu'après, la chance, non. Je vais là où je peux. Hein. Bon, franchement. Ah, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, franchement. On peut pas dire que ça soit pas une petite sortie fort sympathique. Hein, fort, fort sympathique. Ah, je discute avec vous. Hein. Comme ça, ça vous paraît moins long la vidéo. Hein. J'entends quelqu'un qui ne parle pas. On va remettre hop là, de nouveau. Le câble du harnais. Alors, ça c'est incroyable, j'en reviens pas. Incroyable. Purée. Ah, le mec il a perdu ses petits centimes. C'est pas énorme, hein, c'est des centimes. Hein. Voilà. C'est incroyable ça. Ah. Non, là c'est un son muet. Ouais, pareil, c'est. Ah. C'est pareil, j'ai l'impression d'avoir entendu un aigu, mais médium aigu, non, non, c'est bizarre ça. Hop, on enlève un petit coup de terre, non, non, ah ouais, oh, alors ce que je vais faire, on va mettre le trace cible en place. Voilà. Hop, et on va voir ce qu'on a. Ouais, vous voyez que c'est en bas. Vous voyez? Donc c'est vraiment en bas, non. C'est vraiment quelque chose de rouillé. Apparemment. Ouais, on est toujours, toujours pareil en bas. Voilà. Ok, bon, moi je pense apparemment. Voilà, voilà, c'est encore ça. Ok. Donc écoutez, ben voilà, hein, je pense que c'est bon. Hein. Sinon, je rallume. Hein. Allez, à la prochaine trouvaille, tchuss. Allez, nouvelle cible. Allez, nouvelle cible pour moi. Ben, je suis toujours dans le même secteur, hein, là où j'ai fait la bourse, c'est là-bas. Là j'ai fait je crois le plomb qui était juste là-bas. C'était du plomb en fin de compte. C'était du plomb. Donc j'ai zigzagué. Ici j'ai fait juste là j'ai fait un cadenas que je n'ai pas filmé. Parce que ça sonnait très très mal au début. Et donc là j'ai une nouvelle cible juste ici. Dans cette motte. Et on va voir. Ok, bon, en tout cas ça sonnait très très mal. Hein. Voilà, c'est là-dedans. Alors, voilà, c'est pas là, c'est là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, c'est ça, c'est rouillé là, vous voyez? Voilà, c'est quoi cet objet là? Je sais pas. Ah, bah ok, regardez. Alors ça c'est les clés du cadenas. Ah ok, nickel. Allez, hop. Avec le cadenas. Voilà. J'ai retrouvé les deux. Donc, je suppose que si je le décape bien. Voilà, hop. Voilà, avec les petits, le cadenas et les clés. Magnifique.
avec un numéro 6. Voilà. Ok, cool. Bon, allez. Je continue à la prochaine trouvaille. Tchuss. Bon, bah, je vous reprends. Toujours dans le trou là où il y avait les clés. Et j'ai encore un son, en fin de compte. C'est étrange. J'ai pas distingué deux sons. C'est... Alors, je ressors de nouveau la mode que j'ai pris. Ah, ok. C'est dans cette mode là maintenant? Apparemment, c'est là. On va voir ce qu'on a là. Les conducteurs sont en colère. Hop là. Alors. Alors, non, serait-ce dans la motte? Non, c'était à côté. J'ai pas senti. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, j'y comprends plus rien. Cette motte là? Ah ouais, c'est là-dedans. Ok. Eh ben, on va voir. Hop là. Ok, bah vous voyez, même pas, c'est même pas le même cadenas. Ah ouais, d'accord. Vous voyez? Hop! En fin de compte, c'était ce cadenas là. Ok. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que les clés étaient petites pour ce cadenas là. Par déduction, j'aurais dû. Ouais, ouais, vous voyez? Hop! Ok. Ah, ouais, d'accord. Je pensais que c'était l'autre. Mais c'était logique hein, d'un autre côté. Mon cerveau m'a fait défaut. Voilà, donc c'est ce cadenas là en fin de compte. Ok. Oh moustique, t'arrêtes de m'embêter. Ouais. D'accord, donc il y a eu du passage ici. Ça c'est sûr. Bon les cadenas ils sont pas vieux. Hein. Ça c'est sûr. Ils sont pas si vieux que ça le cadenas. Voilà. Alors ce que je vais faire, ben, je rallume dès que j'ai une trouvaille. Hein. Voilà, hein. Allez, tue ça. Bon bah je vous reprends, toujours dans le trou là où il y avait les clés. Et j'ai encore un son, en fin de compte. C'est étrange. J'ai pas distingué deux sons. C'est... Alors je ressors de nouveau la mode que j'ai pris. Ah, ok. C'est dans cette mode là maintenant. Apparemment c'est là. Ce qu'on a là. Les conducteurs sont en colère. Hop là. Alors. Alors, non, serait-ce dans la motte? Non, c'était à côté. J'ai pas senti. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, j'y comprends plus rien. Cette motte là? Ah ouais, c'est là-dedans. Ok. Eh ben, on va voir. Hop là. Ok, bah vous voyez, même pas, c'est même pas le même cadenas. Ah ouais, d'accord. Vous voyez? Hop! En fin de compte, c'était ce cadenas là. Ok. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que les clés étaient petites pour ce cadenas là. Par déduction, j'aurais dû. Ouais, ouais, vous voyez? Hop! Ok. Ah, ouais, d'accord. Je pensais que c'était l'autre. Mais c'était logique hein, d'un autre côté. Mon cerveau m'a fait défaut. Voilà, donc c'est ce cadenas là en fin de compte. Ok.
Oh, moustique, t'arrêtes de m'embêter. Ouais. D'accord, donc il y a eu, y a eu du passage ici. Ça c'est sûr. Bon, les canards, ils sont pas vieux. Hein. Ça c'est sûr. Ils sont pas si vieux que ça, le canard. Voilà. Alors, ce que je vais faire, ben, je rallume dès que j'ai une trouvaille. Hein. Voilà. Hein. Allez, tue ça. Allez, nouvel indice. Vingt-quatre, ça sent la cartouche. Ah ouais, 15 cm, mais je suis pas sûr que c'est une cartouche parce qu'il met un 7-24, un 12-24. Le son n'est pas très stable. Le son n'est pas très stable, donc des fois, dans le doute, on sait pas ce qu'on va sortir de toute façon. Ok, c'est là, c'est sorti. On va regarder ce qu'on a là. Hop là. Les gants. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Ah, regardez. Un petit bouton. Hop. Un petit bouton. Voilà. Petit bouton bombé, hein. Rien de. Rien d'exceptionnel. Hein. Voilà. Voilà. Ça reste quand même un petit bouton. Hein. Voilà. Allez, prochaine trouvaille. Tchuss. Allez, nouvelle cible pour moi. L'autre cible était juste là-bas. Hein. Voilà, juste au bout de la route là, un petit chemin. Et donc là j'ai une nouvelle cible à 12,09. Voilà, 12,09, toujours 7 cm. Mais bon. On va creuser un peu plus profond. Hop là. Voilà. C'est là. Est-ce que j'ai sorti? Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Hop, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cartouche, non? Ça serait bien une petite monnaie. On a 12,9. Bizarre ça. Maintenant, ça sonne bizarrement. C'est bizarre, ouais. Des fois, ça s'explique pas. Hein. Parce que vous avez déjà tous eu ce genre de choses. Ça sonne bien. Hop là, vous creusez un petit coup. Mais après, le son, il est pas très stable. C'est fou ça quand même. Purée. C'était là. Et non, vous voyez. Ah, c'est sorti. Ah, ok, c'était là. C'était sur le côté. Alors, hop. Bon, en fin de compte, toutes les cibles, là, ça fait pas longtemps. Ça fait quoi, une heure que je suis là hein? Ouais, une petite heure. Même pas. Même pas une heure. Je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors. Apparemment c'est sorti. Ouais. Alors. Voilà. Hop. Bon bah je suis abonné au coup de cartouche aujourd'hui. Encore un coup de cartouche. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Hein. Vous n'avez pas le choix, mes très chers détectoristes. On creuse sur ce genre de cible. On n'a pas le choix. Hein. Bon, en tout cas, s'il y a de la douille, ça veut dire qu'il y a de la vie. Hein. On est d'accord.
Pas tout le temps, mais bon, voilà. Il peut y avoir quelques petites choses intéressantes hein, dans cette forêt. Allez, moi je continue. Hein. Je tiens bon, je tiens bon. Allez, tchuss. Allez, après la gyro, une nouvelle cible pour moi. Là, je pense que c'est une cartouche encore, regardez. C'est juste là. Moi, j'ai des doutes, on verra. Une petite surprise. Ah non, même pas. C'est encore une monnaie. Ah non, c'est un bouton. Ok. Un bouton en tombac. Par contre, celui-ci, lui est bombé. Magnifique. Avec la tache derrière, regardez. Cool. Ah, super. Super. C'est cool, j'en ai jamais fait un comme ça. Il est bombé, celui-ci, légèrement bombé, vous voyez. C'est cool. Excellent. Ouais, je vais continuer dans ce secteur. C'est là où... Voilà, Guiro, je l'ai fait vers là-bas. Je l'ai fait vers là-bas. Donc, je vais continuer dans ce secteur. Mais bon, comme vous voyez, hein, je suis aux abords d'une route. Et c'est assez encombré. Hein. Donc, il faut que je zigzague entre les pousses d'arbres. Voilà, hein, voilà. Donc, écoutez, ben, je rallume. C'est cool. Hein. J'ai déjà deux, trois trouvailles intéressantes. Sympa. C'est cool, ça motive, hein, c'est bien. C'est magnifique, super. Allez, je continue, tu sais ça. Allez, une nouvelle cible ici, dans ce trou-là. Par contre, ça claque aux oreilles. Je peux vous dire que là, ça claque aux oreilles. Alors, c'est soit c'est quelque chose de gros, de gros, très conducteur, bon conducteur, ou sinon, c'est quelque chose qui est quasiment en surface. En tout cas, c'est un indice, je crois, à 12,46. Hein. Voilà, 11,47, 12,46. Et vous voyez, c'est marqué 3 cm, donc c'est pas très profond. Donc on va juste mettre un coup de pied, vous voyez, histoire de voir. Alors si à 3 cm, il n'y a rien, donc on peut en déduire que c'est quelque chose d'un peu plus gros. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est là. Donc j'ai mis un coup de pied, c'est ici. Et on va voir ce qu'on a là. Hein. En tout cas, ça claque aux oreilles. Hein. Des fois, ça peut être... Ça peut être du cuivre. Ah, j'ai un petit oiseau qui est là, regardez. Hop, petit oiseau, il m'observe. Voilà, il est là, regardez. Et en plus, il fait du bruit. Pas beau ça? Voilà. Magnifique, hein? C'est la petite minute nature de Topla, regardez. Voilà, c'est magnifique, hein? À mon avis, c'est une maman et elle doit protéger ses œufs. En général, c'est toujours comme ça. Hein. La nature, elle est faite ainsi. Hein. Voilà. Et elle appelle ses congénères. Bon, allez. Donc on va regarder ce qu'on a là. Donc c'est en surface. Ouh, attendez. Attendez. Est-ce que c'est ce que je vois? Non, c'est pas ça. C'est pas ce truc-là. Ok. Vous voyez? Vu que c'est en surface. Alors c'est quoi? Hop. C'est pas là. Ah! Vous voyez? Quelque chose qui claque bien hein. Hop là et bien en surface, voilà, ah, ça a bien claqué à la tronche par une cartouche. Ok, bon ben sur le champ de madame oiseau, hein, je sais pas où elle est. Bon, elle est là. Elle est là. Donc, je rallume dès que j'ai une prochaine trouvaille. Hein. Allez, tchuss. Allez, nouvelle cible pour moi. Donc là, j'ai encore quadrillé. Là, c'est là où il y avait la douille. La douille ici. J'ai un peu quadrillé dans ce secteur là. Parce que là-bas, c'est encombré. C'est même pas la peine de passer. Je suis repassé par le chemin là, par l'autre côté.
Nouvelle cible ici. Je sais pas ce qu'on a. Hein. Alors, on va regarder ça exactement ensemble. Je sais que c'est là. Ça, c'est sûr. Alors, ah. C'est pas ce truc-là. Bon, d'accord. Alors. Ah, c'est ça, ok. Je suis là-dedans. Hop là, désolé. Dans cette mode de terre. Ah bah, ok. À chaque fois, je voudrais faire des lives et je les fais pas. Je suis vraiment désolé. Hein. Incroyable. Si, si, dis-moi. Hop, c'est encore une monnaie. Ah bah, c'est cool. Putain, je désespérais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va sur le soleil. Oh, c'est encrassé. C'est encrassé. Alors. Ouh, peut-être quelque chose que. Ah non, attendez. Je sais pas. On croirait les 20 centimes. Mais c'est tellement encrassé que je sais pas. Voilà. C'est peut-être pas une 20 centimes. C'est peut-être pas une 20 centimes. Hein. C'est-à-dire les 20 centimes Marianne. Hein. 20 centimes la griffoule. Les années 60, 70, voilà. On a l'impression que c'est ça, mais j'ai un doute. On va frotter. Hein. Ouh non, regardez. Je pense qu'à mon avis, si vous reconnaissez cette patine, ceux qui font de la détection, vous voyez ce que c'est. Hein. Voilà. Donc c'est beaucoup plus vieux. Hein. C'est du Napo, on voit bien la tête là. De monsieur Napoléon III. Et en tout cas, à mon avis, il y aura des super raies sur celle-ci, ça c'est sûr. Quand vous voyez la patine comme elle brille, regardez. Vous voyez. Celle-ci, elle sera dans un état magnifique. Ah, je ne vais pas la toucher, vous voyez. Les bords, ils ne sont pas bouffés, rien du tout. Et tip top. Voilà. Donc cette forêt, elle conserve bien hein, les monnaies. Hein. Il n'y a pas de, résineux hein, ici. Hein. Donc c'est cool. C'est cool. Ah super, ça fait plaisir. Une petite 5 centimes, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait une. Voilà, je coule. C'est cool. Allez, je rallume ma prochaine trouvaille. Tchuss. Donc, je continue. La boursée de malade, elle était là. Hein. Donc là, j'avance un peu parce que vous voyez, hein, là-bas, je suis déjà passé. C'est pas là que je viens. Donc là, j'ai un indice là. Voilà, 11,44 à 10 cm. Donc on va regarder ce qu'on a là. Hop là, alors qu'est-ce qu'on a là? Hop. Ah, c'est sorti. C'est plus là. Ah, ce qui serait bien, c'est que ça se soit encore une royale. Ah, ça serait top. Comme la Louis XV. De 1726 que j'avais sorti. Voilà. 12,45 je crois qu'elle sonnait. 12,43, 12,45. Hop. Ouh, allez. Qu'est-ce qu'on a là, mon seigneur? Ouais, ça peut être une cartouche, hein. Bah tiens, voilà. Voilà, c'est ça, vous voyez? Ouais, ça c'est en. Voilà, parce que ça c'était des cartouches récentes, vous voyez? C'était du. Quelque chose de très conducteur, je sais plus en quoi c'est fait. Exactement, vous voyez, je frotte. C'est pas les cartouches habituelles, hein, ça. Vous voyez? Vous voyez comment c'est là? Ça brille. Je ne suis pas sûr que c'est des cartouches de chasse, mais bon. Voilà. Ça brille bien. Et ça sonnait bien. Voilà. Bon, bah allez. Je continue et je rallume dès que j'ai une trouvaille. Allez, tchuss! Allez. La boursée était juste avant. Hein.
La douille était juste là, je crois, il me semble. Et donc là, j'ai une nouvelle cible ici. Un indice là. Hein. 12,38. 5 cm. Là, c'est en surface. On va faire doucement. Hop. On va mettre un petit coup de pied dedans. Ah bah c'est là, hein. C'est déjà sorti. Alors qu'est-ce qu'on a là? Voyons voir que voyons voir. Hop là, je remets les petites mimines dans les gants. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Oh oh, bah y a rien. Attendez. Y a rien ici. Là. Je crois que c'est plus profond en fin de compte. Ah ouais, je crois que c'est plus profond apparemment. Ouais. Suivant la cible, hein, ça peut être plus profond. Il met 5 cm, mais si la cible est un peu plus grosse et un peu plus profonde. Ouais, ou alors plus petite, je sais plus. Je ne sais plus, on va voir ça. Hop là. Ouh. Hop. Ouais, c'est là. Hop là. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est pas là. C'est pas encore là. Hein. Voilà. Et... Hop. Alors. ,37 toujours, hein. 6 cm, ouais, c'est juste là. Alors, est-ce que ça serait encore une monnaie? Hein? Ça serait cool ça, ouais. Peut-être pas une boursée, mais une monnaie un peu plus loin. Ou alors c'est une cartouche. Voilà. Les aléas de la détection, très chers abonnés et ceux qui regardent ma chaîne. Ah, c'est là. Alors, c'est quoi? Ah bah c'est ça. Oula. Voilà. Ça sonne bien ça. Je sais pas ce que c'est. Vous voyez? Est-ce que ça peut être? Je sais pas. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aucune idée. Bizarre ça. Vous voyez? C'est lourd. C'est du bronze. Oui, c'est du bronze, mais... Il y a d'avoir du relief ici. Bizarre ça. Aucune idée. J'aurais ça au nettoyage. C'est bizarre ça. Oui. Voilà. On verra ça au nettoyage. Hein. Bizarre ça. Allez, je rallume dès que j'ai une prochaine trouvaille. C'est cool, hein. Il y a du soleil, moustique, ça va. Il m'embête pas trop, il m'embête juste sur les mains parce que j'ai pas mis de produit sur les mains. Voilà. Mais c'est cool, hein. Entendez ce calme, malgré la petite départ brandale qui passe à côté de la forêt, là. Donc on entend les voitures. Voilà. Voilà. Allez. Oh, moi, je rallume dès que j'ai quelque chose. Allez, tchuss. Allez, nouvelle trouvaille pour moi. Après la douille qui devait se trouver. Je suis au fond là-bas. Où la caméra. Ma caméra embarquée s'est éteinte parce que la batterie était vide. Voilà. Donc là, j'ai fait pas mal de douilles. Douilles de chasse, ogives. Voilà. Et là, je suis tombé sur un objet assez insolite, à même le sol. Alors, voilà. Vous voyez. Je sais pas ce que ça peut être, vous voyez. Il y a un petit ergot ici. Voilà.
Voilà, l'intérieur s'est creux comme ça. Et de l'autre côté, voilà. Pareil. Alors si vous avez une idée, vous pouvez me le laisser en commentaire, il n'y a pas de souci. Aucune idée. Peut-être un... Je sais pas, franchement, aucune idée. Ah, je crois savoir. C'est un préservatif gaulois. Eh ouais, c'est ça en fin de compte. Eh oui, à l'époque. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de préservatif à l'époque. Avant le boyau, ils utilisaient ça. Voilà. Ah, ouais. Ok, donc c'est ça. Hein. C'est un préservatif gaulois. Gaulois ou romain, hein, on ne sait pas. Voilà. Ok. Bon, ben. De toute façon, il va bientôt être l'heure. Je vais encore un peu quadriller ici, vers le fond là-bas, et puis, je vais me rentrer tranquillement. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Allez, ce que je vais faire, ben, si j'ai une nouvelle trouvaille, quelque chose d'intéressant, je rallume, ou sinon, on fera le bilan à la voiture. Allez, voilà. Tchuss. Après 4 heures de détection, les merdouilles. Voilà. Il y en a pas mal quand même. Hein. Il y a beaucoup de cartouches. Hein. Ça, c'est une Lebel. Voilà. Avec son petit arrondi là. Voilà. Donc, ça, c'est une Lebel. Voilà. Après, encore toutes ces douilles de chasse. Hein. Ça, c'est pas d'Amoser, ça, c'est sûr. Alors, deux grosses cartouches de chasse. Encore de la petite ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après, les deux cadenas, la clé de cadenas, ça c'est encore pareil, reste de plus de cartouches, de la douille, de l'ogive, du moins de l'ogive, hein. Petite, moyenne, grosse. Voilà, cet objet que j'ai fait aussi. Alors ça par contre, sur le détecteur, ça sonnait pas comme ferreux, du moins comme ferreux. L'indice était très très bas. Donc c'est bizarre, il sonnait à 7. À 7. Voilà, donc je sais plus si c'est un mélange de zinc et de pion, je sais pas quoi, aucune idée. Voilà, après ça c'est du cuivre, le reste une ceinture de éclat d'obus, hein, en béton. Ça c'est le fameux, je pense que c'était un fer à cheval. Je pense qu'à cette époque il devait tirer le bois avec les chevaux, hein, ce qui est logique, hein. Hein. Après ça c'est le reste d'une canette, encore une canette, voilà, et puis ça c'est pareil, encore le reste, je crois que c'est un truc pour les chiens, je crois. Voilà, et après cet objet là que j'ai fait. Alors, aucune idée. Donc quand je disais que c'était un préservatif gaulois, je plaisantais éventuellement, hein, bien entendu, mais j'en ai aucune idée sur ce que ça pourrait être. Je sais pas si c'était ça faisait partie de la forêt, hein, tout simplement, hein, des trucs de bûcheron, hein, un ustensile de bûcheron, je sais pas, hein, aucune idée. Hein. Voilà. Ouais, ça fait quoi là, 3,5 cm de diamètre. Puis là, on doit être à 7, le double à peu près. 7 cm de diamètre, voilà. Après la hauteur, ouais, ça doit faire quoi, 13 cm à peu près. Voilà. Après un reste de plomb. Là, c'est une couleur en plomb, hein, en fin de compte. Hein. Je l'ai bien frotté, c'est un reste de couleur en plomb. C'est bizarre la forme qu'elle a. Voilà. Après on a le bouton en tombac. Magnifique celui-là. C'est la première fois que j'en fais un comme ça. Voilà. Un bouton en tombac. Un autre bouton. Petit pareil, avec quelques petits je crois il y a quelques petits décors dessus. Voilà, la 20 francs Giro. $19.50, magnifique. Attention, cela ressort bien en général. Voilà, et puis la boursée, hein. Voilà. Boursée
de 6 nappes en 5 centimes. Voilà. Et puis là, 10 centimes la peau. À mon avis, toutes celles-ci, elles vont bien ressortir. Elles vont bien ressortir. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le bilan des trouvailles. C'est pas mal. C'est cool. Donc, bah écoutez, hein, la vidéo, elle était très longue, malheureusement. Je suis désolé, mais bon, ça en valait la peine. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un like aussi. Hein. Un petit pouce, ça me fait plaisir. Franchement, ça met ma chaîne en avant, hein, mes vidéos. En avant, ça c'est bien. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire, ben c'est tout. Hein. Donc sur cette belle journée ensoleillée. Voilà. Petits oiseaux qui chantent. Je vous dis à une prochaine sortie détection ou Urbex. Vidéo d'Urbex, on verra, voilà, jusqu'à que mon PC soit rétabli, parce que tout simplement mes vidéos d'Urbex demandent du montage un peu plus précis, pointu. Donc malheureusement, on verra. Donc sur ce, ben je vous remercie, je vous dis tout simplement à plus, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis tchuss. Oh.